J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais manger. Une vidéo où je vais manger et j'adore ça. Je vais tester la nourriture des marchés de Noël. Qu'est-ce que ça vaut par rapport à la France? Je vais vous faire découvrir ça. Il faut que je vous parle de quelque chose qui me trigger un peu. Que je vous ai jamais dit d'ailleurs. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de préparer un documentaire sur les TCA. Pour ceux qui sont déjà au courant, je suis désolée de la durée que ça met en termes de montage et de préparation. Entre les dispos de mon monteur, entre mes dispos, parfois c'est un peu compliqué. Et on est sur les derniers petits détails, donc c'est cool. Et donc bref, quand je regarde le documentaire, parce que je le re-regarde pour valider plein de choses, et à chaque fois je suis en mode, purée mais ouais, ce qu'a dit la psy c'est vrai en fait. Non là c'est Kibiki qui a dit un truc qui m'a fait tilt. C'est ça. Balance en fait, moi dès que j'en vois une je suis obligée de me peser et genre quand je me regarde dans le miroir je suis en mode j'aime bien mon corps, dès que je me pèse et que je vois le chiffre je suis en mode ah ouais ok, alors qu'en fait ça fait rien dire vraiment. Moi l'image que j'ai de mon corps, parfois je m'aimais, parfois je m'en aimais, mais c'est vrai que la plupart du temps j'aime bien quand même. J'ai décidé d'arrêter de me peser parce que ça me saoule de me dire qu'un chiffre va dicter ma façon de me voir, ma façon d'être, ma façon de m'aimer. C'est bon, stop, on en a marre, moi je me sens bien, je suis bien, y'a quoi en fait. J'étais en train de faire pipi, je me suis dit faut que je leur dise, faut que je leur en parle. Bon allez, on va manger maintenant. J'en ai plus, mais tiens, c'est du lait d'amande coco. Mais franchement, j'aime. Alors, au menu, au petit déjeuner, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Mon petit, voilà, merci Armand. Il retient. T'as oublié la banane et le peanut. Là, c'est mon dernier petit déjeuner avec. Pardon. T'inquiète, on pardonne. C'est Émeric. On n'oublie pas, on l'aime. Il est 9h30 du matin, je rigole. Non mais je veux dire un truc. Ah oui, je veux dire un truc. C'est mon dernier petit déj avec du gluten. Je vais faire une semaine sans manger de gluten. C'est mon anniversaire ce week-end. Et alors? Bah, il y aura du gluten, wesh. Ah ouais? Les combis, wesh. C'est quoi le gluten qu'il y aura? Dans la bière. Ah, c'est pour Instagram que je fais ça, juste pour voir, parce qu'en fait j'ai l'impression vraiment mon ventre gonflé tout le temps, tu vois. Mais tout le temps depuis que je suis ici, alors qu'en France pas le cas. Donc bref. Ah, ça existe? Oui, ça m'étonne. J'allais te dire, mais il n'y a pas des trucs à base de riz que tu pourrais demander à moi et Laura. Mais c'est où que tu trouves ça? Dans une épicerie asiatique, j'imagine. Ok, j'irai boire. Aujourd'hui, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller au marché de Noël. Slay? Tu vas avec qui? Toute seule. Je voulais aller au sport, mais du coup, c'est un peu serré par rapport à mon planning. Je préfère d'abord aller manger. J'ai décidé sur YouTube là, en short YouTube, de faire 30 défis. Donc tous les jours, je tirerai un papier et je ferai un défi. Voilà, donc avec mes colocs, on a un peu réfléchi à des défis, c'est que des défis food, vraiment. Donc ça va être trop trop cool, j'ai trop hâte. Et donc j'ai fait ça ce matin, j'ai répondu à des mails. J'aurai la flemme après, je pense, de faire mon sport, je suis sûre. Oh, mais ce soir, oh là là, ah oui, c'est vrai, ce soir on a un truc, on est 17. Ah, faut que je vous montre, je vous filmerai ça ce soir. Ah, mais j'aurais pas le temps d'aller au sport. Est-ce que ce serait pas une excuse, Myriam? Peut-être. Souvenez-vous, c'est ma transition préférée en fait. Direction le marché de Noël de Atwater. Il y a deux marchés de Noël à Montréal, donc il y a Atwater et Place des Arts. Puis on va déguster en fait. On va déguster. J'ai trop hâte, j'ai faim. Cette vidéo est un échec. C'est le reflet de mon manque d'organisation et le fait de faire tout au feeling à l'instant. Enfin non, c'était une vidéo qui était prévue que je veux quand même sortir. Je pense qu'il sortira du coup dimanche, les marchés de Noël, mais ce sera pas pour la vidéo que vous êtes en train de regarder, du coup. Je pouvais arrêter cette vidéo, arrêter de la filmer, et en fait je me suis dit, mais Myriam, montre qui tu es vraiment. Montre que parfois, c'est de la merde ce que tu fais. Parce que clairement, c'est de la merde ce que j'ai fait là, dans le sens où j'ai voulu aller filmer mes marchés de Noël, mais je me suis pas renseignée sur les horaires, sur rien en fait. Je suis partie à l'instant en mode, j'avais vu une information comme quoi le marché était ouvert, allez on y va, c'est parti, let's go. Parce que bah j'ai vraiment envie de le faire. Mais en fait je suis arrivée là-bas, je me suis déplacée, ça fait 2 heures que je suis partie, rien. Aucun marché ouvert, hein. Les installations sont faites. Mais en gros il y a des horaires à respecter, wesh. C'est pas comme à Paris où tout est ouvert tout le temps. Alors si, ça va être une journée dans ma vie un petit peu. Vous voyez la fameuse pâte à tartiner qui a le goût soi-disant du Kinder Bueno, qui a fait le tour de tous les réseaux sociaux? Et ben je la teste enfin. Donc je vais la tester dans cette vidéo les amis. Je vais vous dire moi la vérité, si ça a vraiment le goût de Kinder Bueno, parce que moi je connais Kinder Bueno. On va voir. Je reviens des courses et j'ai acheté ça, je vais goûter ça. On va goûter des trucs là dans cette vidéo quand même. Hummus Sriracha.
Le fameux Hermogène. 16$. C'est pour la gloire. Là, je vais me faire à manger un truc vite fait en vrai parce que j'ai trop la flemme de me faire à manger. J'ai le ventre gonflé, je comprends pas. Ça me rend ouf. Goûtons. Le déception. Je crois que c'est un miracle. En vrai, c'est trop bon, mais ça pique pas quoi. J'ai juste aime. Oh. Je mets une note de 7/10 parce que c'est quand même bon. Mais juste, il n'y a pas la promesse du piquant. Pendant que je me prépare à manger, ma coloc Laura a gentiment préparé un bubble tea, fruit du dragon, sirop de fraise, du thé au jasmin et une boisson à la pêche blanche. Avec des petites perles. À la quoi ? Myrtille bleue. Petites perles de myrtille. Oh, j'adore. Vous savez mon amour pour les bubble tea. Hein. Mmh. Oh, c'est meilleur que dans un bubble tea. Pas trop sucré. Ouais, c'est ça. Mmh. Oh, le mélange, il est parfait. Oh, elle est trop forte. Merci. Mmh. Ah, tu voulais rajouter un truc ? Du citron, genre ? Mon cerveau, ça va tout. Oh. Allez. Mmh. C'est moins bon, c'est moins. Mmh. Non, j'aime. Moi, j'adore le citron. Alors, au menu, les amis, je me suis fait un petit brunch, en vrai. Champignons, avocat et bubble tea. Mmh. Les champignons, ils sont bons. Oh. Miam. Mmh. Meilleur repas ever. Les champignons, là. Vie. Merci, Laura, encore pour ce bubble tea. C'est incroyable. Vraiment, plus je vieillis, plus je me rends compte qu'il n'y a rien de mieux que les trucs faits maison. C'est pépite. Ma sœur, elle déménage bientôt. Là, cet appartement, c'est fini. Finito les gambasitas. Je suis trop triste. C'est mon premier appartement ici, c'est... En fait, vous avez vu, j'ai un problème avec la nostalgie. Hein. Je suis trop nostalgique, moi. Je suis trop dans le passé. Je pense trop aux choses tristes tout le temps. Faut que j'arrête. Ça me rend triste tout le temps. Je crois que j'ai du mal à accepter que les choses changent et évoluent. Pourtant, j'adore l'évolution. Bref. 16$. J'arrive pas. Jamais vu ça, un emballage aussi... Alors là, attendez. En termes d'odeur, on est pas mal. J'ai le Kinder Bueno, je l'ai. Vous savez, j'ai envie de faire quoi? J'ai carrément envie de remplacer ça, là, et genre, je le dis pas, et je le fais goûter à ma sœur. C'est une dinguerie. J'ai envie de crever tellement que c'est bon. Mais par contre, je mange avec quoi? Genre, attendez, je reprends une cuillère. Qui a déjà goûté le Hermogène? C'est dur à dire, hein. Et dites-moi si vous trouvez que ça le goûte Kinder Bueno. Après, il y avait le Nocciolata aussi, on disait ça. Il est mieux en termes de compo. Là, c'est fou le sucre, hein. C'est bon, hein. C'est le moment où je vous dis que je me motive à aller au sport. Voilà, c'est parti. J'avoue, là, il est... Et quelle heure? 16h04. J'ai trop la flemme. Moi, en général, fin de journée, j'aime pas faire du sport parce que... Bah, la flemme, en fait. Donc, c'est pour ça que je le fais le matin. Voilà. Par contre, qu'est-ce que je me sens gonflée. Mais je sais pas si vous allez voir, là. Je crois qu'on voit pas très bien. Mais moi, je me sens gonflée, en fait. Et je pense que vraiment, le gluten est en train de m'achever. Et bon, là, on va se motiver. Hein. Je vais aller faire mon petit cardio. Et je vais faire du renfo pour justement renforcer tout ça, en fait. Tout ce corps-là. Tout ce corps qui me maintient en vie, il faut le renforcer. Si vous me voyez toujours avec le même legging... C'est normal, c'est qu'en fait je suis venue au Canada avec très très peu de vêtements parce qu'en fait je me rends compte que je peux vivre avec le minimum, vous voyez. Ça c'est pratique. Est-ce que vous saviez qu'ici à 16h, il commence à faire nuit? Genre là il est 16h15, je sais pas si vous voyez la luminosité baisser. Mais ça c'est quelque chose qui est assez dur je trouve au Canada pour le coup, si vous voulez un petit retour d'expérience. C'est que l'hiver t'as très peu de soleil, on va vraiment arriver aux journées les plus courtes. Mais j'avoue, t'as très très peu d'exposition. Pour les personnes qui sont pas comme moi et qui travaillent dans un bureau par exemple, bah c'est chaud parce que ils vont travailler tôt, ils sont enfermés toute la journée, ils sortent, il fait nuit. Enfin c'est un peu dur, genre je pense à ma sœur typiquement qui voit pas trop le jour. Ça moralement c'est dur. Du coup j'ai l'impression qu'il est 19h là. Non j'abuse. Allez 18h. Ressenti 18h. Bon, vous savez ce que je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, je voulais faire un truc pour Sarah, et donc elle est arrivée. Ta-ta-ta. Je t'explique, en gros. Ferme les yeux. Tu vas manger deux parties de Kinder Bueno, d'accord? Ok. Ok, là c'est bon. Ok, ouais. Allez. T'as Elle sait ce que j'ai fait avant que je lui dise ce que j'ai fait et ça m'énerve parce que tu sais tout ce que je fais tout mais le temps. Mais je peux te dire lequel est lequel. Oui, bah ouais. Bah oui, non, mais c'est évident. Sœur,
J'ai Instagram aussi, je vois tes stories en fait. Oui, mais t'as pas vu que j'allais enlever du Kinder Bueno et que je remplace par le El Weshden là. Prends tes caleçons sales. Alors le deuxième c'était le vrai et le premier c'était le faux. Et non. Et non. C'est plutôt bien fait. Bon, j'ai gagné, puis je suis contente. Bah voilà, c'était ça le petit jeu, voir si elle voyait la différence. Mais en vrai, moi je trouve que c'est un peu faussé parce que je l'ai fait. Et vu que t'as le chocolat, tu le sens quand même. Tu sens qu'il y a une diff. Putain, c'est ouf. Ouais. Voilà, c'était mon jeu. Bah en fait, on va arriver ici, ce sera genre 21h30, 22h, tu vois. Parce que n'oubliez pas, ce soir il y a un jeu spécial. Je vais vous montrer, je vais tout vous montrer. Donc on pourra pas manger en rentrant. Mais ouais, mais on va pas manger maintenant, moi j'ai pas faim quoi. Mais on fait comment pour manger? Mais faites-vous à manger maintenant et vous mangez tantôt. Et ouais, je parle kebs moi. Ça fait 3 mois que je suis ici. Tantôt quoi. Emeric va goûter le El Morjden. Le El Weshden. C'est bon. Non, ta tête elle dit pas mmh. Ouais grave. Je trouve ça très surgras. Pour moi, sucré, hein. Ah, c'est hyper sucré, hyper gras. C'est quand même bon parce que voilà, mais c'est pas. Je trouve que le truc Kinder Bueno, il y a du goût, mais je trouve ouais. qu'il y a surtout du goût de sucre. Alors ouais. que le goût Kinder Bueno, je le trouve moins sucré. Il y a le goût de la noisette, mais c'est tellement plus sucré ouais. et tellement plus gras en bouche. Alors que le Kinder Bueno, la pâte à l'intérieur, elle est plus. Elle est plus crémeuse et plus onctueuse, c'est ça. Plus liquide que celle-là. Plus noisetté, je trouve. Elle, c'est too much. Ouais, c'est tout. Genre, tu dis c'est trop. C'est trop. Non, mais je capte. Tu as capté, en fait. Un cerveau pour deux, en fait. Télépathie, en fait. Bon, avant de partir, je mange des pâtes en vif. Ah, mais là, j'entends. J'ai été invitée par Quiz Room à Montréal. Et du coup, bah, on y va avec tous les copains. Donc, j'ai pas le temps de bien manger, de faire à manger tout ça. Spaghetti ketchup, mmh. la base, en fait. J'irais pas te dire, j'arrête le gluten. Je fais que ça de manger du gluten. Emeric, faut qu'il se dépêche, là. Emeric, on va être en retard, vite. On va être en retard. Bah, on met 30 minutes pour y aller. On met 30 minutes pour y aller. Pardon? Bah oui. Mais je pensais que c'était à l'UQAM. Non. C'est pas à l'UQAM. Non. Alors, on va tous participer à Quiz Room. En gros, c'est un peu question pour un champion. Et du coup, j'ai invité tous les copains. Regardez. Tous les copains sont là. Ce sera juste un quiz musical. Vous avez un maximum de points pour avoir peut-être un petit cadeau à la fin de la partie. Ça va, Emeric? Ouais. Ça va, tu kiffes? Ouais, moi je kiffe de ouf. Moi je kiffe là. Là je suis sur du kiff. Qu'est-ce qu'on en pense? On se fait bloquer parce qu'on est trop fort. Dans... Ah ouais. C'est bien, vous vous amusez ou pas? Ouais. Pour réveiller le démon, bloquer sur du single ladies, c'est non! Est-ce qu'on va gagner les filles? Vas-y, j'ai seum! Je suis rentrée de cette activité Quiz Room. C'était génial. En gros, j'ai pas pu vous expliquer trop le concept parce que ça va trop vite. Mais en gros, c'est genre comme... Ah si, je vous ai dit, c'était comme un question pour un champion. C'était des questions culture générale. Et après, t'avais un blind test et tout. Enfin bref, c'était trop cool. On peut aller jusqu'à 18 personnes. Et vraiment, trop une bonne activité entre amis. C'est vraiment génial. C'est trop stylé de se dire t'es comme dans un jeu télé. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve du coup dimanche pour une nouvelle vidéo. Marché de Noël. Faites très très gros bisous. Prenez soin de vous et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous aime fort.